Yeah. What's that on that beat? Nope. I just might have a bankroll now. Shit, I just might. J'ai 30 ans. Mon parcours sportif, donc j'ai commencé le basket à l'âge de, si je me souviens bien, je dirais 10-11 ans. Donc à 10-11 ans, à l'époque j'étais pas forcément emballée par jouer au basket, mais j'ai été grande très très tôt. Et j'ai mes cousins aussi qui évoluaient à haut niveau, notamment à NBA aussi, donc les frères Morland, notamment Chris Morland aussi qui gère un peu le basket au Congo actuellement. Et Pachelis, son frère, qui aujourd'hui est coach à l'ASVEL. Donc ça a été un petit peu mes mentors et mes exemples. Donc c'est pourquoi j'ai commencé le basket étant plus jeune. Donc j'ai vite été appelée en équipe départementale, donc l'équipe de l'Oise. Ensuite, j'ai fait l'équipe régionale, donc l'équipe de Picardie. Et après l'équipe de Picardie, j'ai été détectée par des centres de formation. Donc c'était Bourges et Valenciennes, donc les deux centres de formation vraiment prisés de l'époque. Et j'avais choisi d'aller à Bourges, là où j'ai effectué mes années de centre de formation, donc de 2006 à 2010. Et ensuite, de 2010 jusqu'à aujourd'hui, je suis joueuse professionnelle. Donc mon premier club, ça a été le Havre, donc de 2010 à 2012, où j'ai évolué en Ligue Féminine 2. Ensuite, je suis allée à Dunkerque, donc de 2012 à 2013, où j'ai joué aussi en Ligue Féminine 2. Ensuite, après Dunkerque, je suis allée à Limoges. J'ai enchaîné avec Limoges, j'ai enchaîné avec Dijon, où j'ai évolué en National 1. C'était une période de ma vie où j'étais un petit peu en plein doute, j'hésitais entre continuer le basket ou passer à autre chose et me remettre pleinement dans mes études. Parce qu'il faut savoir que mes parents ne m'ont jamais lâché par rapport aux études, et notamment mon père était professeur, donc du coup on savait très bien que pour jouer au basket, il fallait être bon aussi à l'école. Donc ensuite, après Dijon, je suis allée deux années à Landerneau, je suis remontée en Ligue Féminine 2. Je suis allée à La Roche-sur-Yon en Ligue Féminine 1, donc le plus haut niveau français. Après ça, j'ai décidé de me rapprocher de Paris et de ma famille. Je suis partie jouer 3 ans à Chartres, donc en Ligue Féminine 2. Et aujourd'hui, maintenant, je suis à Angers en Ligue Féminine, donc le plus haut niveau français, et ce pour 2 ans. Voilà pour mon parcours sportif. Et pour mon parcours, moi, on va dire d'étudiante et de vie personnelle. Donc à côté du basket, j'avais fait mon bac ES. Donc à l'époque, ça s'appelait le bac ES, économie et sociale. Ensuite, je suis partie une année à la fac en économie et gestion. J'ai enchaîné sur un BTS en management des unités commerciales. Et j'ai fini par une école bien-être où j'ai été diplômée l'année dernière. Et j'ai lancé mon activité dans le bien-être et massage et relaxation. Pardon. Et j'ai monté mon affaire et je suis auto-entrepreneur, donc à côté du basket. Voilà. My property. Like you are my property. Like you are my property. Like you are my property. I know man just can't take you apart from me. No, my property. Mes attentes de carrière, pour moi, c'était d'aller le plus loin possible. C'est-à-dire que dès le début, je ne m'étais pas dit « je veux jouer là, je vais aller en WNBA ». J'ai pris chaque saison, année par année, je me suis dit « donne le meilleur de toi-même, prends du plaisir ». Et le jour où vraiment tu n'auras plus de plaisir, ça voudra dire qu'il faudra passer à autre chose. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai atteint tous mes objectifs, dans le sens où j'avais déjà atteint le plus haut niveau lorsque j'avais signé à La Roche-sur-Yon. Et aujourd'hui, à mes 30 ans, je suis revenue au plus haut niveau. Donc on peut dire que voilà, carton plein. My property. Oh, yeah. Like you are my property. Oh, yeah. Like you are my property. Like you are my property. I know my just can't take you apart from me. No. My property, yeah, yeah. Alors les obstacles, je peux pas dire que j'ai eu vraiment beaucoup d'obstacles. Là comme ça, obstacle c'est pas le bon mot. J'ai eu beaucoup de difficultés. Après, les difficultés, elles n'étaient pas que basket, c'était aussi beaucoup dans la tête, en fait, sur beaucoup de doutes. Tu vois, les périodes de doutes, les périodes où voilà, t'as un petit coup de blues, t'es loin de ta famille, tu profites pas forcément du temps passé avec tes amis à aller jouer dehors. Par exemple, moi, j'ai pas eu d'adolescence. C'est-à-dire que j'étais tout le temps au basket, j'étais tout le temps à l'entraînement, sachant que j'étais loin de la maison, je rentrais en période scolaire. Et je pense que c'est ça qui était le plus difficile, c'est-à-dire être loin de mes amis, être loin de ma famille
Et au fur et à mesure, bah, les amis que tu avais à l'époque, les amis d'enfance, tu les as plus en fait. Et je pense que ça, c'est un facteur qui n'a pas été facile, mais j'ai toujours été bien entourée au niveau du basket. Donc on va dire que ça fait partie d'une des difficultés. La deuxième difficulté, c'était de pouvoir associer, assimiler basket et études. Donc plusieurs fois, j'étais toujours, vas-y, quand je rentre chez moi, j'ai juste envie de dormir. Mais non, tu rentres à la maison, tu as les devoirs à faire, tu as la dissertation, parce que demain matin, à 7h, tu repars en cours, à midi, tu repars à l'entraînement, à 14h, tu retournes en cours, à 19h, tu retournes à l'entraînement, tu rentres le soir, tu es fatigué, tu n'as pas envie de travailler. Donc on va dire plus des difficultés, pas des obstacles. My property. Oh, yeah. Like you are my property. Oh, yeah. En fait, mon hygiène de vie, elle m'a permis d'être là aujourd'hui, c'est-à-dire que pas d'excès. Tu peux avoir des excès, mais il faut assumer les conséquences derrière. Les années de centre de formation, on était très très suivis, c'est-à-dire que quand on allait manger au self, t'avais des pâtes, du riz, des pâtes, il n'y avait pas forcément de sauce, mais on savait que c'était pour notre bien. Et je pense que mes 4 années du coup passées à Bourges m'ont donné cette éducation-là, on va dire, pour que je puisse, moi, une fois pro, m'en sortir toute seule et ne pas sombrer dans les excès, dans les fast-foods, dans les sorties. On a très vite été prévenus par rapport aux substances illicites, l'alcool, les trucs comme ça. Donc, ouais, c'est une hygiène de vie stricte, mais pas stricte pour moi parce que j'ai toujours été dedans, en fait. Donc, ça va. Mais après, je te dis pas que l'été, ça m'arrive, hein, sortir un peu avec les amis, faire un petit peu la fête, manger dehors. Ouais, on peut se le permettre. Mais attention, pas trop non plus. Bonjour, je m'appelle David Gauthier, je suis l'entraîneur de l'UFAB depuis plusieurs saisons en Ligue féminine en France. Oui, bah, Kekeli elle est arrivée cette année au sein de notre club après plusieurs années à Chartres en Ligue 2. Donc c'est une joueuse qu'on avait déjà voulu faire venir il y a quelques années au club, qui était une joueuse dominante dans le championnat de LF2, qui avait beaucoup de valeur d'engagement, beaucoup de qualité sur le terrain. Et cette année, elle est avec nous et puis en même temps, ça a permis de passer à un étage supérieur parce que ben, on est monté entre-temps en Ligue féminine. D'accord. Et vous êtes satisfaite de Kekeli? Oui, il a fallu, bah, comme tout le monde, comme pour nous, comme pour elle, un temps d'adaptation à la nouvelle division. Mais depuis maintenant plusieurs mois, elle trouve la plénitude de ses moyens en pouvant mettre ses qualités déjà d'agressivité, de toujours donner à fond au service de l'équipe. Et puis, elle se sent de mieux en mieux aussi dans d'autres secteurs du jeu. Donc, c'est une bonne performance pour elle et c'est très important pour l'équipe.